n'ont même pas le carburant, ils viennent déposer les motos le matin. Hein? Après, ils vont les pousser. C'est incroyable. Mais alors, le pire, c'est au Cameroun. Ouais. Hein, au Cameroun, pour raconter les contes et les gens, il y a la fille du sud, c'est qui a écrit même pas sur le Cameroun, au nom de médecine. Et une librairie là-bas, la propriétaire de la librairie a tenu à nous inviter. J'ai compris après, après qu'on s'en prend. Donc, elle vient me chercher, comme moi, c'est une alliance française qui s'occupe toujours de mes chambres d'hôtel. D'accord. Et sans sécurité, donc j'étais à un hôtel. Il n'y avait que des Européens d'ailleurs. Ouais. Et me prendre seulement pour aller prendre, quand il y avait du monde, on a traversé par le boulevard, là où il y avait des défilés souvent, là où les gens font souvent le défilé. Et il y avait un petit fil rouge comme ça, d'autres gens passaient. Hein. Donc nous, naturellement, on a soulevé le petit fil rouge, traversé de l'autre côté, ouais. Prend le taxi. On entend seulement Oh, pour là-bas, la fille a dit, courant vite, mais dans le taxi, je dis, à mon niveau, je veux courir. Je dis, ils veulent nous voir, important. Donc, on repasse sur l'escalade où ils montent, où il y a le défilé là. Ouais. J'ai dit, Antoine qui s'appelle Coxette, machin, sur le Motorola. Ouais. Un autre qui arrive avec le Pemaka en courant là. Un remue-ménage quoi. Donc, on monte, on va dire bonjour. Il me dit, vous savez pas que le Cameroun est en alerte maximum. Ce que vous venez de faire, c'est là où il y a le défilé souvent du président Biya. Vous risquez même jusqu'à 20 ans de prison ferme. Un président qui n'est jamais là, quoi. Qui n'est pas là, jusqu'à 20 ans de prison ferme. Il dit, allez, donc donnez-moi vos passeports parce que là, si le président est au courant, c'est tant pis pour vous. Je dis, si ça peut vous faire gagner du temps, je prends mon téléphone, j'appelle la présidente, je vous le passe. Ouais. Comme ça, en plus, j'étais sincère. Ouais. Le chargé de communication, c'est un ami qui a la présidence. Ouais. J'ai dit, je vous facilite la tâche, je l'appelle. Ouais, comme ça, je vous passe la présidence et on gagne du temps parce qu'on a un peu faim, on doit aller manger. Ouais. Oh, d'abord, votre passeport. Je tombe en passeport, mais l'autre fille est en train de trembler, la pauvre. Je suis en train de trembler. Et elle voit un passeport français. Ouais. Elle regarde la journaliste. Ouais. Elle dit, il commence à tourner. Il dit, vous savez, mon frère, nous on aime les étrangers. Hein. Ouais. Il suffit qu'on puisse entendre entre nous. Ah, je l'ai dit, moi je ne l'ai pas radié. J'avais ramené les vins de Air France. Ouais. J'avais deux bouteilles dedans. Je lui ai dit, prenez une bouteille, vous m'en laissez une autre. Parce que je vais manger, il me faut un petit vin aussi. Il n'y a plus de vin rouge. Et il dit à la compatriote, aide un peu ton frère là. Il va avoir 1000 francs ou 2000. Ouais. Qu'elle leur a donné. Bon, elle a dit, bon, allez-y. Ah bon, mais merci beaucoup, machin. On est parti. Alerte maximum. Ah, pour avoir traversé le pont, quoi. Je te jure. Hein? Et il courait avec le PMA4 comme si c'était grave. Vous savez, si la présidence est au gouvernement, parce que 20 ans. Et puis, tu sais, quand tu parles comme ça, faut pas bluffer quand tu leur dis que tu peux appeler la présidence. Hein, ouais, sûr, parce que si t'as bluffé, t'es mal. Hein. Oui, ah là. Donc, tu rigoles pas avec ça. Quoi. Mais moi, je disais, c'est bon. Surtout que la veille, le gars, il était venu me chercher, on a fait la fête. On était censé se revoir à la pub. Ils allaient juste lui dire, bon, on a besoin de ton chef. Oui. Parce qu'on a traversé un fil. Oui. Prendre un taxi, quoi. Ah, les Camerounais, c'est ça. Oh là. On est en alerte maximum. Oh. Donc vous êtes au courant avec beaucoup arabe, tout ça, je dis, mais je vois pas le rapport avec... Et la fille, elle tremblait, elle était comme ça, pardon. Je te dis, elle était dans tous ses états, la fille. Ouais. Elle était dépassée, la fille. Elle avait une de ses peurs, la fille. Ouais. Moi, je dis, moi, le pire qui allait m'arrêter, c'est quoi? J'appelle l'ambassade de France, je reprends l'avion, je rentre à Paris, terminé, j'ai rien à foutre, quoi. Putain, mais c'était incroyable, hein. Alex maximum en QI. Vous n'arrivez pas à aller chercher Boko Haram dans son petit village là-bas. À le dénicher. À le dénicher. Moi je suis en train de traverser les pauvres civils. Je traverse un petit fil pour prendre mon sanson. Pour aller manger, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles avec ton histoire d'alerte maximum. 20 ans d'emprisonnement ferme. Elle a tué. Les Camerounais là, je te jure, ils sont gravissimes. Et toi, quand tu attends 20 ans, tu te dis, oh là là. Ah, t'es fou. Oui, il faut que je donne tout ce que j'ai, quoi. Je donne tout le pognon que
manger. Ouais. Je lui donne encore ma femme qui couille, je lui donne tout le monde. 20 ans, 20 ans c'est énorme quoi. Oh. Et lui, il avait dû me prendre pour la guêpe de Boko Haram ou quoi. Merde, il est malade. Et quand il te dit ça, il est sérieux, il rigole pas. Hein. Non, il prend un temps solennel. Hein. Ouais. Mais vous savez pas que le pays en alerte maximum. Je dis, mais oui, monsieur, et alors, je comprends pas trop là. Mais vous savez que si la présidence est au courant, vous allez risquer 20 ans d'emprisonnement ferme. Ouais. Et là, elle a dit appeler dans l'enfant. J'ai dit, ben là, le grand, je te dis, ils étaient excités tous. Ouais. Et la fille, elle était comme ça. J'ai dit, ben si ça peut vous faciliter la tâche, moi, j'appelle tout de suite après, je vous passe mon téléphone. Comme ça, vous discutez avec vous. Tiens, roulant, donnez-moi votre passeport. Même pas pièce d'identité, votre passeport. J'ai dit, bah si vous voulez, j'ai sorti le passeport, je vais venir. Là, il prend, il regarde, il commence à regarder les pages. Ouais. Il dit, vous savez, mon frère, nous on aime les étrangers. Ouais. J'ai dit, bon, celui-là, c'est autre chose. C'est que parce que de 20 ans d'emprisonnement ferme, ouais. Les étrangers ça, qu'on aime, ouais, là, ça tu... fait beaucoup, quoi. Ça, c'est top à ça. Donc, à soi. J'ai raté ça. Non, la fin de là, c'est grave. Hein. On va arriver dans la région de la Lula, Batoulandi. Ah, d'accord. Donc, on est en train d'approcher vers Tana alors. En Batoulandi, oui. C'est là où on vend les marmites. Oui. Là, c'est là que tu dis, tu allais nous montrer là où on fabrique les marmites. Ah, oui. On va passer d'abord ici. Il y en a des gens qui vont, mais je vais vous faire quand même visiter la façon de faire monter une marmite. Là, ouais. Ah, la profil, elle avait laissé 1000 francs ou 2000. Hein. Ah, ma soeur, moi j'ai deux petits pains là. Moi, il faut que j'aille manger, je choisis, c'est soit le blanc, soit le rouge. Et la poudre, elle est rouge ou le blanc? Elle est plus rouge, je crois. Voilà pour mon frère, vraiment bien plutôt au Cameroun. Hein. Mmh. Il est enfoiré. Voilà. Il m'a bien enculé. T'as mis la trouille de ta vie. Oh. 20 ans, tu te rends compte. Pour traverser un petit vide. Un petit vide, moi je te jure. Alors que Boko Haram sème la terreur, ils n'en ont même pas là. Tungasoa. Tungasoa, c'est le bienvenu. Ah! C'est quoi ça, hein? Moi, je croyais que c'était la ville, Tungasoa. Ah, c'est le bienvenu. Moi, j'allais écrire les contours, j'ai fait la ville de Tungasoa. Il m'a dit, mais ouais. C'est, il n'a jamais été à Madagascar. C'est un usurpateur. Un imposteur. Non, je suis passé le village de Tungasoa. Tungasoa, avant d'arriver à Tananarive. On dit c'est là, c'est un imposteur. On va voir d'abord les prix d'abord.